Things are right, you just know. There's something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be it. From tonight until we see. Et donc, bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend comment vous allez voir ce match. C'est parti pour... Encore un match, décidément, ça va pas changer. Eintracht Francfort face au Borussia Mönchengladbach. Match de Bundesliga, 26e journée, toujours. Au Commerzbank Arena. Toujours ce match d'ailleurs à huis clos. Donc voici le classement. Le Borussia Mönchengladbach qui est 4e et l'Eintracht Francfort qui est 12e. Au classement, voici le joueur à suivre de ce match qui sera donc Lars Stindl qui a 3 buts sur les 3 derniers matchs. C'est quand même exceptionnel. Le très très bon maillot quand même de l'Eintracht Francfort. Les joueurs qui se sont serrés la main ici. C'est parti avec Trapp pour l'équipe de l'Eintracht Francfort avec Ndika et Abraham. On a Rode, Islanker, Kostic, Giacosti, Chandler, Silva, ouais, Touré, Hitterreger, en 4-2-3-1 donc, cette compo. Et pour l'équipe du Borussia Mönchengladbach, on aura Sommer, Wendel, Gintner, Neos, Zakaria, Thuram, Stindl, Hoffmann, ainsi que Pléa. Elle aussi en 4-2-3-1 donc. Elvedi aussi défenseur. Et donc c'est parti pour ce match ici entre l'Eintracht Francfort et donc cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Neos Lehner. C'est du coup récupéré par le Borussia Mönchengladbach, les joueurs de l'ombre qui sont plutôt blancs aujourd'hui. Chandler. Chandler. Touré. Touré. Silva. Ouh, attention, il y a un tacle là. Proche de la surface. Ça va donc donner un très très beau coup franc pour l'équipe de l'Eintracht Francfort. Yann Sommer qui est ici. Essaye de bien se mettre. ...30 mètres en tout cas du goal. Kostic qui va tirer ce coup franc et c'est totalement raté. Hein, ça est largement à côté. Yann Sommer qui va envoyer cette balle. Max Ginter. Elvedi. Ginter. Pléa. Thuram. Le fils de Lilian Thuram. Qui joue donc ici dans l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Ouh, belle reprise défensive. Attention, c'est pas fini. Gacinovic. Kostic. Kostic, c'est... Ouais, attention, le tacle
de Kostic, toujours, et voilà le but du Eintracht Francfort. C'est Rode qui marque. Et voilà, c'est fait. Et du coup, ça commence très très bien. Ou ça commence très très mal, ça dépend de quel côté vous êtes. En tout cas, pour côté classement, le Borussia Mönchengladbach qui va très très mal. Hein, qui commence très très mal le match. Ouais, là, c'est, ouais, c'est raté. Hein. Mauvais arrêt là, de Yann Sommer. Sébastien Rode donc qui marque à la 7ème minute. On est reparti donc du côté de l'Eintracht Francfort et du côté de Borussia Mönchengladbach. Stindl. Voilà, ballon perdu, Stindl qui fait une mauvaise passe. Stanker. Chandler. Wendt, Ginter, Elvedi, Neos, ballon pour Lilian Thuram, Léa, ça donc pour Kostic, attention Kostic, le tac de surface, monsieur l'arbitre, qui va broncher peut-être la faute, ou pas, et non, c'est pas la faute, c'est pas le pénalty, hein, parce que là c'était pénalty dans la surface. C'est finalement le corner. Bon, les supporters s'énervent quand même. Ils veulent le pénalty. Hein. Ils sont déjà 1-0, mais ils veulent déjà le 2-0. C'est donc du coup pour Kostic. La tête, et c'est un peu trop au-dessus. Cette tête de l'Eintracht Francfort. Le ballon qui est largement au-dessus. Yann Sommer qui va envoyer cette balle. Maxi Inter. Zakaria. On continue. Ouais, ballon perdu. C'est récupéré avec Rode. Sébastien Rode. Silva. Attention la frappe de Silva. Et c'est à côté. Adrien Silva. Qui a tenté la frappe et ce ballon se dérobe du cadre. Adrien Silva qui a d'ailleurs failli marquer ce but là, ce qui aurait quand même fait plus de bien à l'Eintracht Francfort avec cette fois-ci deux buts d'écart. Hoffmann, Stindl, ballon récupéré pour le Borussia Mönchengladbach. Hein, le ballon perdu, c'est pas fini, c'est pour Abraham, Silva, Gacinovic. Attention, c'est pas fini. Elvedi, Wendt, Stindl. Il y avait un tacle sur Stindl, mais ce ballon est toujours récupéré. Sans problème pour le Borussia Mönchengladbach. Attention. Stindl. La frappe. Ouais, non, c'est raté. C'est raté de peu. Mais quand même. Récupération côté du Borussia Mönchengladbach. Leiner. Et c'est hors-jeu. Hors-jeu pour Leiner. Effectivement, le joueur quand même bien hors jeu. Il y a la jambe qui dépasse hein, quand même largement. C'est un hors jeu mérité. Ndika qui va envoyer cette balle. Ouh, attention, ouh, il y avait une main. Il y avait une main de la part du Borussia Mönchengladbach et du coup, un coup franc. Voilà, une frappe Francfort. Francfort qui va donc faire ce coup franc, peut-être ce centre. Je pense plutôt que ça va être un centre, pas un coup franc. Kostic.
Ou attention, Kostic et Yann Sommer qui s'interposent. Max Ginter, Stindl, Neos, pour Lilian, les gars, Lilian Thuram, non ? Thuram, attention, Thuram. Le ballon est largement au-dessus. Je rappelle bien évidemment que c'est le fils de Lilian Thuram. Dans ce match entre l'Eintracht Francfort et du coup l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, attention, c'est pas fini. Le ballon perdu. Donc, Will Sanker. Chandler. La frappe et le but pour l'équipe de l'Eintracht Francfort. C'est du coup 2-0. Ici. À Francfort, mais attention, tout peut arriver. Rien n'est fait en une période, hein, bien évidemment. On l'a vu sur la suite des matchs. On est reparti, donc 2-0 ici. C'est pour Leiner avec Zakaria. Zakaria, Max Ginter, ça vient bien en arrière avec Elvedi, Neos, Vent. Ça cherche des passes longues en avant. C'est pas fini, c'est pour Stindl. Eh non, ballon perdu, Stindl qui n'a pas réussi à faire sa passe comme il l'a voulu. Oh, attention, c'est pas fini. La frappe. Oh, la frappe, c'est hors jeu pour le joueur allemand. Moi j'aurais même pas dit leur jeu, ah non. Je pense pas qu'il y ait hors jeu. Voilà, là franchement, non. Ou attention, le tacle de Borussia Mönchengladbach. Le Borussia Mönchengladbach toujours avec Thuram. Oh attention, la frappe, c'est l'arrêt du gardien, l'Eintracht Francfort. Kevin Trapp, l'ancien gardien d'ailleurs du Paris Saint-Germain. Il s'est trouvé d'ailleurs un très très beau gardien, hein, l'Eintracht Francfort. Le Borussia Mönchengladbach qui va donc tirer le corner. Vent. Ou attention, c'est pas fini. Et le ballon pour Kevin Trapp. Ça continue, Chandler. Oh là 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 là, magnifique balle développée pour l'Eintracht Francfort qui s'offre une magnifique victoire, très certainement, 3-0. Regardez-moi ça, magnifique balle développée. C'est sublime. Là, ils se sont offert une Maserati, hein, sur le terrain. C'est limite même une Ferrari, on va dire ça comme ça. Magnifique goal. Stindl. La frappe de Stindl et le but 3-1 donc entre l'Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach. Et voilà donc. Le but du Borussia Mönchengladbach. Kevin Trapp était absolument pas sur la trajectoire du ballon. Pas loin, mais pas du tout sur la trajectoire du ballon. 35e minute, le numéro 13, Lars Stindl. C'est du coup 3-1. Ça diminue un peu le score.
pour l'instant, il était quand même assez lourd. Hein, 3-1 face à l'une des plus grosses équipes de cette Bundesliga. Mais attention, hein, rien n'est fait. Tout peut arriver. L'Eintracht Francfort qui domine pour l'instant. Mais n'oublions pas que chaque match est à voir jusqu'au bout. La frappe encore! Et ouais, c'est à côté, l'arrêt magnifique de Kevin Trapp. Encore une fois, Lars Tindall qui était venu et qui n'a pas vaincu, mais c'était pas loin. Un nouveau corner. Et c'est donc à nouveau Sébastien Rode qui va tirer le... Non, c'est Wendt, pardon. Oh, magnifique coup franc. Ouh, c'était à deux doigts d'être une action de but, ça. Wendt. Oh non, ballon perdu. Zakaria qui a perdu cette balle. Endika. Kostic. Kostic, le ballon. Oh là là, oh là là là, magnifique. La magnifique tête plongeante d'Adrien Silva. On a cru à l'arrêt du gardien, et non, c'est pas l'arrêt. Du point de vue de la caméra, on aurait dit vraiment que c'était un arrêt, là, d'ailleurs, de grande classe. J'allais dire, mais non, c'est pas un arrêt. Yann Sommer était même, je pense, largement battu. Si... Adrien Silva aurait arrangé sa tête. Attention, c'est pas fini. Encore un arrêt de Yann Sommer, le gardien suisse qui s'interpose. Ça aussi, c'est des arrêts de grande classe dans le monde du football. Ça va être dans le résumé de cette année. Hoffmann. La frappe, encore une fois, frappe développée. Mais l'arrêt qui est une trappe est toujours là. Le gardien. Et en tout cas, ça concrétise un petit peu plus du côté du Borussia Mönchengladbach. Changement annoncé. Très très étonnant. L'Eintracht Francfort, Stindl et Benes. Ah non, c'est le Borussia Mönchengladbach qui change du coup. J'ai dit, putain. Oh, la frappe largement à côté du goal. J'ai pas vu qui c'était qui a tenté la frappe. Je pense que c'est Stindl. Je pense pas, mais je pense. Je suis pas sûr. Kevin Trapp. Le ballon pour Hoffmann. Voilà, ballon perdu. C'est récupéré avec Abraham. Chandler. Abraham. Rode. Adrien Silva. Magnifique ça, c'est pas fini. Hoffmann. Ouh, attention, l'arrêt de Kevin Trapp, encore une fois. Là, on peut dire, il est clairement passé à la trappe. Ouh, on va voir qui c'est. Ouais, non, c'est mauvaise gestion de l'attaque. L'Eintracht Francfort qui pour l'instant occupe le plus les défenses. Gacinovic. 5 minutes de temps additionnel. Monsieur l'arbitre est très très généreux dans ce match. C'est fini. Première période de ce match terminée. Là, sur l'Eintracht Francfort qui domine largement par rapport à ce qu'on attendait. Un but, un tir, Sébastien Rode. Donc 3-1 ici dans ce match. Eintracht Francfort, Borussia Mönchengladbach.
On est reparti donc pour la suite de cette rencontre ici dans ce match de Bundesliga. Encore une fois, l'un des plus gros matchs de cette Bundesliga. Le ballon, Adrien Silva. Adrien Silva qui est vraiment à deux doigts des goals. Benes. Ballon. Ouais, décidément, à cause de cet enregistrement, on n'a pas su voir l'action. Ça m'énerve un tout petit peu, vraiment. Si vous pouvez avoir des suggestions pour gérer ce petit problème, ça pourrait être vraiment sympa. Parce que là, ça commence vraiment à m'énerver. Franchement, je vous dis, ça commence sérieusement à m'énerver. Et le tir à côté, pas de chance. La frappe de l'Eintracht Francfort à côté. Pas de chance pour eux. C'est pas grave, hein. Pour l'instant ils dominent. Oh, attention, magnifique ballon pour Benes. Benes toujours. Avec Pléa. Pléa, le tir et le but de Pléa. Pour le Borussia Mönchengladbach. 3-2. Ah, j'ai eu peur, je pensais que c'était l'enregistrement, non? Ça joue très très bien. Du côté du Borussia Mönchengladbach, l'Eintracht Francfort qui domine toujours, mais petite remontada et petit moment de gloire pour l'équipe du Borussia Mönchengladbach. On pourrait peut-être même voir une remontada, qui sait. 3-2, l'équipe l'Eintracht Francfort peut avoir peur, mais rien n'est fait dans un match, je vous rappelle toujours. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, rien n'est fait. Oh, attention, le ballon s'est récupéré pour l'Eintracht Francfort. Ce ballon pour Touré. Oh, attention, c'est pas fini, Chandler, le centre et l'arrêt de la défense du Borussia Mönchengladbach. Oh, attention, Hoffmann qui continue. Le tir, oh là là, il est pas hors jeu, Hoffmann, j'ai pas vu exactement qui c'était, mais c'est exceptionnel cette action, magnifique. C'est Benes qui vient marquer. Et voilà, le Borussia Mönchengladbach qui, du coup, domine à nouveau dans ce match. 3-3, retour au score. Laszlo Benes, 57e minute. Un match qui semblait plié pour cette équipe. Eh ben non. 3-3 donc. Attention, c'est pas fini. Hein. Ce match qui... Je sais, je vais encore vous rappeler, mais c'est très très important cette règle. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup, les trois coups final, rien n'est fait. Effectivement, bah... Chandler. Yann Sommer. Qui sait, peut-être que cette équipe de l'Eintracht Francfort a encore marqué un but, qui sait, dans les tout derniers instants, on ne sait pas. Oh là 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 là, quelle action! Pléa, ça ne peut que faire but! Et non, l'arrêt de Kevin Trapp. C'est pas fini, la frappe de... Vent qui a tenté cette frappe. Ouais, un peu trop enveloppé, hein. Joueur du Borussia Mönchengladbach. Et il sent cœur et corps, changement dans ce match.
Et Insanker pourtant qui avait fait une très très belle première période. On ne voit pas pourquoi il est sorti. Et Cor à sa place. En tout cas, c'est encore un match à très très grosse intensité, car je vous rappelle que le Borussia Mönchengladbach est premier. Enfin, est dans la course au titre. Donc c'est un match qui peut être intense en émotion, mais aussi en action. Effectivement, c'est... Ouais. Tandis que l'Eintracht Francfort, ils ont rien à perdre. Hein. Ils sont quasiment en dernier. Donc c'est plutôt pour faire énerver un petit peu les concurrents. Attention Benes, la frappe de Benes. Et c'est à côté. Oh, cette frappe vraiment à deux doigts du goal. Vraiment à deux doigts. Hein. Kevin Trapp qui était totalement battu. Gacinovic et Kamada, changement dans ce match. Où il y a des joueurs Pléa qui est par terre. Du côté du Borussia Mönchengladbach. Jan Sommer. Oh, magnifique ça. Leimer. Oh non, ballon perdu. Il a voulu faire une passe en arrière. Et non, c'est finalement récupéré par l'équipe adverse de l'Eintracht Francfort. Attention, Kostic. Ouh, attention, l'arrêt de Jan Sommer, sans problème. Zakaria. Benes. Ouh, attention, ça joue. Benes qui perd cette balle. Ndika avec Kamada. Le joueur qui est rentré il n'y a pas longtemps. Un magnifique tacle sur le ballon. Oh là, moi c'est totalement perdu. Attention, c'est pas fini. Zakaria qui est en phase d'action. L'Eintracht Francfort qui est en pression. Et pour l'instant, le Borussia Mönchengladbach a laissé jouer pendant la première période. Un match qui se retourne ici. Le Borussia Mönchengladbach qui a l'air de s'être réveillé en seconde période. Effectivement, on le voit ici. N'empêche, attention, l'Eintracht Francfort qui attaque. De toute façon, c'était petit filet et je pense qu'il y avait un hors-jeu. Changement annoncé, Makoto ACB, David Abraham, changement dans ce match. ACB qui va donc rentrer sur cette pelouse. Et on avait un autre changement aussi du côté du Borussia Mönchengladbach. Christophe Kramer et Florian Neos. Pour l'instant, c'est exceptionnel, Jan Sommer. Max Ginter, c'est tout simplement exceptionnel, ouais, comme j'ai dit en train de dire ce qui se passe ici sur cette pelouse de Francfort. L'équipe l'Eintracht Francfort qui se fait prendre par son propre jeu. Un jeu qui est des plus sophistiqués, dangereux. Oh, attention à la frappe! Le poteau sortant d'Adrien Silva. Ça s'est joué vraiment au millimètre. Et effectivement, le millimètre était en faveur du Borussia Mönchengladbach. Hein. Car ce ballon est finalement récupéré. Attention, c'est pas fini. Le ballon pour Hoffmann. Kevin Trapp. Qui renvoie cette balle. Ce ballon. C'est exceptionnel ça, cette action. Ballon perdu, c'est récupéré pour l'équipe du Borussia Mönchengladbach. On prend pas de risque, on préfère revenir en arrière en défense.
ça joue bien. Ça possède toujours le ballon en défense. Ça revient en attaque. Attention, l'attaque qui peut être complétée. Non, c'est pas une attaque complétée, c'est plutôt une attaque perdue. La remise de touche pour le Borussia Mönchengladbach qui finalement finit avec un match nul. Ça pourrait être exceptionnel. Changement annoncé, Brel, Mbolo, Alassane, j'ai pas vu qui c'était, qui est sorti. Ah, Alassane Playa, qui est donc sorti. Oh, attention, ballon perdu avec Mats Ginter, Yann Sommer. Le ballon perdu. Ça peut faire but. Sébastien Rodeux. On a la Chandler. Voilà, ballon perdu. C'est largement récupéré par l'Eintracht Francfort. Et le corner qui est sauvé. Ça peut faire une occasion de but, ça. 3-3, je vous rappelle le score. Ce match qui pourrait très mal tourner pour le Borussia Mönchengladbach si jamais l'Eintracht Francfort marque. Et Yann Sommer qui récupère cette balle. Oh, attention, ce ballon. Magnifique, la play. Playa, non, c'est Thuram toujours. Thuram qui peut sauver son équipe. Thuram. Hors jeu peut-être. Ouh là là, j'ai cru qu'elle était dans celle-là. Non, c'est pas goal, c'est juste à côté. Vraiment au millimètre. Kevin Trapp. Minute traditionnelle. Kostic, hors jeu pour Kostic. Effectivement, Max Ginter, Leimer, Zakaria. Ou attention, Hoffman. Peut-être hors jeu, non, pas hors jeu pour Hoffman. Ça continue. La frappe de Playa. Ouh, et c'est du coup une remise de touche. Ça continue, les actions qui s'enchaînent. Mbolo, et là ça peut être difficile pour l'Eintracht Francfort dans ce dernier quart d'heure, même dans cette toute dernière minute. Le ballon qui sort, remise de touche. Attention, c'est pas fini. Et le ballon qui est du coup pour l'Eintracht Francfort, et c'est fini ce match qui se termine 3-3. Un match exceptionnel. Kevin Trapp, lui aussi, tout aussi exceptionnel. Et voilà donc 3-3 ici. C'est tout simplement magnifique ce qui s'est passé. Remontada de Borussia Mönchengladbach. On a vu des beaux buts en plus. On a vu des actions, on a vu des joueurs qui étaient, qui avaient du mordant sur la pelouse. Encore une fois, merci d'avoir regardé ce match à mes côtés. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, un commentaire et bien évidemment, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Salut à tous.